Yon l'autre fois encore, nous dit bonne fête drapeau à tous les confrères haïtiens qui tout partout dans le monde. Non, non, tous les ancêtres nous. Eh bien, nous portons une autre vidéo pour nous amis, côté nous pour suivre discours magistrat AKA, Rosemila petit frère, côté tout le monde connaît son femme qui très élégante. Eh bien, m'invitez nous, tendez discours magistrat à côté. Lui mande la paix dans le pays et lui remettre président de la République, la Cléville, là, pour le capable de commencer avec vrai dialogue national. Là. En suivant ce matin, nous allons tourner pour l'autre numéro. Monsieur le président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre nommé, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du CSPJ, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les recteurs de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le Directeur général de la Police nationale d'Haïti, Messieurs les membres de haut état-major des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres de haut état-major de la police nationale d'Haïti, Messieurs les députés de l'Orcaïen, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers collègues du conseil municipal de l'Orcaïen, membres de la presse, Prem, Sem, qui n'ont diaspora, Père Païtien, Moun Akaïen, notre drapeau crie au secours. Notre drapeau est en péril. Après ce que nous avons vécu durant ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières heures, le drapeau est en péril. Le drapeau est en péril quand la nation va mal. Le drapeau trépasse lorsque les filles et les fils de la nation se mitraillent et se donnent en spectacle au sommet même de l'État, aux yeux du monde. Notre drapeau implore notre pitié. Notre drapeau implore notre pitié. Quand il est souillé, foulé au pied de la corruption, ce drapeau qui, jadis, était le symbole d'une nation fière et libre, digne et honorable, laborieuse et courageuse. Chères concitoyennes, chers concitoyens, le drapeau est plus qu'un symbole. Le drapeau, c'est une déclaration. Le drapeau est plus qu'une déclaration. Le drapeau est la religion d'une nation. Le drapeau est plus qu'une religion, le drapeau est l'essence même de la nation. Chères concitoyennes, chers concitoyens, chaque fois drapeau insécurité a monté 17 hôtels, drapeau développement descend bien bas. Chaque fois drapeau mauvaise gouvernance l'a monté 17 hôtels, dans le palais national et dans le primatie, drapeau désespoir, drapeau rêve génial tiré en miettes morceaux. Chaque fois, drapeau injustice monté 17 hôtels, impunité, corruption, coulé champagne. Monsieur le Président, vous êtes comptable de la joie et de la peine, de l'espoir et du désespoir, de la confiance et de la méfiance du peuple haïtien. Vous avez envers ce vaillant peuple une obligation de résultats et non de moyens. Une obligation de changement et non de promesses de changement. Une obligation de vérité et non de contre-vérité. Vous avez la haute responsabilité de dire la vérité à la nation haïtienne.
Le peuple a besoin d'espoir et non de promesses. Le peuple a le droit de vivre en sécurité. Tel est le cri de tous les Haïtiens. Le peuple souhaite vivre en sécurité. Tel est le cri de tous les Haïtiens. Les Haïtiens vivent au quotidien dans leur chair et dans leur sang, le coût en vies humaines. De cette insécurité galopante qui importe tout sur son passage. Tel est le cri des Haïtiens de l'extérieur, eux qui souhaitent revenir passer des vacances, faire des retrouvailles en famille, eux qui ne font qu'espérer des lendemains meilleurs. Tant que le souverain peuple se plaint, tant qu'il craint l'avenir qui lui paraît de moins en moins prometteur, de plus en plus ravageur, le drapeau reste souillé et profané. Et vous n'avez rien compris du bicolore. Mesdames, messieurs les parlementaires, avez-vous déjà oublié vos promesses de campagne? Moi, parlementaire, je voterai des lois au profit du plus grand nombre. Moi, parlementaire, je contrôlerai les actions du gouvernement. Moi, parlementaire, je nommerai pas de ministres au sein du gouvernement. Moi, parlementaire, je ne protégerai pas de présumés criminels. Moi, parlementaire, je participerai aux séances pour lesquelles je suis payé. Moi, parlementaire, je n'organiserai pas de séances que pour sanctionner des ministres. Tant que vous ne servez pas la République avec dignité, avec fougue, avec diligence, avec amour, avec passion, vous n'avez rien compris. Et le drapeau est souillé et le drapeau est profané. Le peuple vous suit. Le peuple a compris. Le peuple a noté. La jeunesse vous suit. La jeunesse a compris. La jeunesse a noté. Le 11e département vous suit. Le 11e département a noté. Le 11e département a noté. Mesdames, messieurs, vent division a crasé institution nous yo. Vent division a coffré progrès social économique pays a. Vent division a levé wop gouvernement, wop balman, wop opposition a, wop secteur privé a, wop société civile a, ak a wop la presse. C'est nan chita, c'est nan palais, c'est nan sacrifice pour pays cap résoudre problème social yo. Pan division 1, bay goud la coûte main, nan monte plus 90 goud pour yon grain dollar. Instabilité ak impunité, c'est dégoudé ak 50 cob. Insécurité ak développement, c'est chien ak chat. Grand-parents nou yo te comprendre, pan division bay toute qualité maladie. Li bay cancer, li bay choléra. Sa pi mal la, li bay sous-développement. Yo te chita, yo te réuni dans la cour à Cayen, yo te met tête yo ensemble pour avancer sous chemin progrès. Jodi a, en tant que première citoyenne commune non, moi décidé bay président république là, clé ville ça pour commencer. Vrai dialogue national là à toute petite nation. Moun akaye. Pa gen moun sous la terre, quel que soit côté lié, qui plus attaché à ville yo passé ou. Ta remel belle. Ou ta remel toujours propre. Ou ta remel gen bon gens infrastructure pour bon gens développement. Et ou sensible pour image ou. Ou c'est cité drapeau. C'est parti jaloux ou jaloux pour drapeau ça. Mais, t'as pas empêché ou mandé autorité l'État central yo
Pour qui route Saint-A pour que j'aime qu'a fait? Pour qui n'a pas construit un centre professionnel pour jeune à Kaye yo? Yo même tout, yo c'est petite petite Catherine Flon. Pour qui journée jodi a moun à Kaye a mouri parce que yo pas gen l'hôpital? Pour qui ça c'est comme ça yo traité monument Catherine Flon wan? Li même qui te coude bel drapeau ça. Pour qui c'est Akaye? Pour qui c'est nous? Messieurs, je vous le dis sincèrement, on ne traite pas ainsi une ville historique, une ville symbolique. Tant que la ville est humiliée, maltraitée, vous n'avez rien compris de la célébration du bicolore haïtien. Mesdames, messieurs, la voix du peuple, la voix de Dieu. Ce que le peuple veut, Dieu le veut. Le peuple réclame le procès Petro-Caribé. Et ce sera, et il devra se tenir le procès Petro-Caribé. Et ce sera justice. Ou la justice sera, ou elle ne sera pas, que la justice soit faite. Au nom du peuple, et du progrès et de la sainte reddition de compte. Chères concitoyennes, chers concitoyens, le miracle haïtien est possible. Le rêve haïtien est possible. Ce rêve est codifié dans notre bicolore. Ce miracle découlera du bicolore. Notre drapeau est le plus beau, le plus fier, le plus inspirant, le plus libérateur. Nos élites politiques, économiques, administratives, médiatiques, intellectuelles, artistiques doivent cesser de le piétiner, de cracher, de souiller, de profaner ce beau drapeau. Tant qu'ils n'assument pas la mission qui est la leur, ces élites n'ont rien compris de la fête du drapeau. Peuple haïtien, moun akaye, je voudrais publiquement remercier la police nationale d'Haïti pour son support à la population haïtienne et spécialement à la population orchéloise. Vous nous avez protégés, vous nous avez servi. Chapeau, messieurs, moun akaye remène, peuple haïtien remène. Quand la politique veut, la police peut. Un bouquet de remerciements au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, à la primature, au ministère de la Jeunesse et des Sports, au ministère des Travaux publics, Transports et Communications, au ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et particulièrement à l'Électricité d'Haïti, pour leur support inconditionnel à la réalisation de la fête du drapeau. Je ne saurais oublier mes valeureux collègues du Conseil, le directeur général de la mairie, le comité du drapeau, les différentes commissions, le service de la voirie, la police municipale de l'Akaye, les notables de la ville. Nanon Moun Akaye, nanon Catherine Flon, Nanon Jean-Jacques Dessalines, m'din yon gros merci. Bonne fête du drapeau à la diaspora haïtienne. Bonne fête du drapeau à la population orchéloise. Bonne fête du drapeau au peuple haïtien. Merci, Madame le maire. Kounia, c'est tout par député circonscription, hein,